Mbote ndeko langai. Nous avons parlé beaucoup de demain à la congolaise télévision pour parler de cette actualité. Je sais que vous avez un discours chef de l'État pour le discours d'État. Comment vous avez un discours chef de l'État? Bon, na ebite ndeleni bobenga chef de l'État. Chef de l'État nani Félix Tshisekedi. Tout ça na dichotomie ndeko langai. Bokonzi kabwana na mibale. Monsieur Félix Tshisekedi apparaît comme un président de la République et Monsieur Kabila apparaît comme le chef de l'État. Makabola, parce qu'en réalité, sauté dans la Constitution, Moutou Azali président et Bongaza chef de l'État. Or, chef de l'État, en réalité, Azali n'est une autorité morale. Moutou Bato Bailandaka Yasuka. Azali Mokondi, Yamatonga Nyonso, les arbres constitués Congo. Mais Lelo, Sokotali, Likolo, il y a président de la République, il y a un chef. Chef Angonde va bien à chef de l'État. On est tout le monde, Isaac Félix Tshisekedi. Isaac Kabila. Moni Kamonyo, so Félix Tshisekedi, a eu sala. Ce qui Kabila, boy, et sala ma hâte. Ce que Moni n'a qu'à ta institution. L'Assemblée. Mais M. Félix Tshisekedi a eu joué un rôle moro protocolaire. C'est lui qui signe des ordonnances. C'est lui qui fait les déclarations, c'est lui qui représente l'État en dehors de l'institution, il y a frontières. Mais ce qu'il s'agit à comprendre des positions ou décisions, c'est Kabila qui prend des décisions en dernier ressort. Yango Moni Lelone Tozaliboué, M. Félix Tshisekedi, a commis les là, que l'institution n'a pas respecté été. Mais l'institution n'a pas respecté Nan. Bon, respecter M. Kabila. Ce qui veut dire que l'honneur de ça, c'est que l'on est dans le cadre constitutionnel, comme dans le cadre de la deal. Et dans le cadre de la deal, Kabila est le chef de la majorité parlementaire. Il est dans l'autorité morale, il y a FCC Cash. Parce qu'il a la majorité et c'est lui qui décide. Ce que M. Félix Tshisekedi a joué pendant temps. A joué temps, il y a qu'on réfléchit. Et fort malheureusement, il y a un problème, il y a logique, il y a un problème d'agencement à Baïdé. Qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi vous dit? M. Félix Tshisekedi a lobby. Il y a des choses où il y a des salami à CP Nangote. Le fait que le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, le Sénat, Babou qui répond à l'invitation à une Assemblée nationale. Ce qui veut dire que c'est un fait factuel. Il y a des événements moraux et salami dans les circonstances. Ce que nous appelons les effets conjoncturels. Mais tant que Banisco a développé, il vous dit quoi? Il vous dit que le pays va mal, ils allaient gâcher l'alliance Nabango, ils allaient freiner l'élan de développement, ils allaient empêcher à ce qu'il y ait atteint des objectifs ou il y a assassinat qui sait que lui appelle sa vision. Or, ce qu'on parcourit déjà la Constitution, le mot vision, ils allaient apparaître été. Et puis maintenant, pour résoudre ces problèmes, à préconiser Nini, à l'obi, Isengeli a convoqué Batignos. Ba Basile Olongo, ba Mokia, ba Onyoso tout, ba chômeur tout, ba demandeur d'emploi, a Bengisi ba Mukoko. Avant qu'il y ait des politiciens majeurs. Bongo majeur, Basile Olongo a majeur. Mokia a majeur. Si vous parlez de quel critère, vous avez un majeur. Aujourd'hui, ba Dio Mindonga a majeur. Avant qu'il y ait des mises en connaissance, ba Rosungaye. Ce qui veut dire que ce que tu as lu déjà par rapport à l'analyse, naïe. On peut remarquer que M. Félix Tshisekedi a un déficit à modèle d'analyse. Il n'a pas une forte capacité d'analyse. Il y a même la logique qui est en train de faire. Il y a même le raisonnement qui est cassé, qui est cassé. Mais quand il y a un discours, il y a un discours pour séduire les faibles d'esprit. Et tout le monde répond à un discours qui est déçu. Parce qu'au-delà, il y a quintessence. Au bout de trouver dans le discours, il faut voir aussi la crédibilité de la personne. Mais Félix Tshisekedi a dit que le corps à Mouto a dit que le corps à Mouto a dit que le corps à Mouto a dit. C'est ça en fait les adages. Oh, bah, tu vas comprendre, on a marqué dans le corps, mais ils ont retrouvé sens. Lelo. Qui peut prendre le risque de croire à M. Félix Tshisekedi? Mais moi, je pense que Félix Tshisekedi a dit que le corps à Mouto 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 a dit que le corps. Mais Félix Tshisekedi vous ment. Et bien, vous avez dit que 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 crise de ménage na mobali na eto et vous avez crise de ménage na mobali na FCC alors que benga ex mobali na yaya kosunga e passe de basse na mobali na lelo. Qui dit que le corps boya ka mobali na liboso. Vous avez dit que 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 vous avez
Qui lui dit que Yonom Tozongelay? Donc on a dit, monsieur Félix, c'est que c'est une âme perdue. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Et puis sur hôtel même n'a appel naï. Il vous dit ceci, Abi que nous avons géré le pays Mabé. Yango et Sali que Magamé Tambola Malamouté. Et Azako Benga Bango va résoudre le problème. Et Azako Kosa n'a pas de population que non, Azako Salango pour votre intérêt. Et au même moment, M. Félix, c'est que Dina Batunaye, FCC Cash, va déposer projet à budget dans l'Assemblée nationale. Vous savez combien il a prévu comme augmentation pour un colonel? 25 000 francs. Vous savez combien il a prévu pour un général? 75 000 francs. C'est-à-dire que le baboué général a comme à 300 dollars. C'est une solution au Yazakoloba. Parce que ce que tu as bien dans l'analyse profonde, il y a l'État. Est-ce que vous voyez que la situation de la population peut se quantifier? On peut mesurer le degré, il y a évolution à politique, il y a politique publique à partir des indicateurs socio-économiques. Qu'est-ce que eux ensemble ont prévu pour améliorer les conditions de vie? Parce que Bidjo Toda Koloba, Babanda a élaboré depuis le mois de janvier 2019-2020. Sur le lot, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont prévu? Parce que dans le Conseil des ministres, avant que Bandi Mabidjo, M. Félix Tshisekedi était là. À 5 ans qui va matisser, pas multiplié par 3, salaire à colonel, n'a général. Soldat à Molongo, il y aura 87 000. Qui c'est là qui est bon? Est-ce qu'il y a un proposé qui projet Morobo de société à Malamu pour le peuple, pour qu'on exécute? Comment projet on est? Seul projet où il y a présenté qui n'a négé à ma B, il y a qui programme à 100 jours. Qui se sont enrichis derrière? N'est-ce pas sa famille? Si vous avez le loi de vous, en tout cas, vous avez un peu de peuple. Vous avez un peu de peuple, nanini. Bon, me poser une question. Et là, on dit, oh, il y a ça, ça, il y a intérêt à peuple, puis à ça, il y a un bien. Tout ce qu'il a initié, il y a un intérêt à ce qu'il y a, ta famille. C'est quoi? Et là, on dit, il y a un peu de la marque. Donc, on a dit, M. Félix, c'est que c'est un danger. Alors, quand on a dit, non, venez, bon, il y a tout ça, la union sacrée. Et l'union sacrée, on est à la base essentiellement pour lui. C'est-à-dire, bah, Sungaye a se débarrassé dans Kabila. Mais le Kabila n'est pas le seul problème au Congo. Pourtant, il y a eu du gâchis. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que le problème est à Congo, le lot, il a lié FCC Cash. Il y a eu du lobby, il a lié FCC Cash. Ce qu'on a pour ça, bah, Sungaye a longo la cash, FCC, a longo la FCC Cash et Tikala. Mais dans Kati, il y a cash, il y a aussi une crise. Bazavo senga bango ba senga ki biso to sa to sunga bango ba se débarrasser na caméra. Soko ya banda ko se débarrasser kana batunyos, il peut pas se poser la question ce qui y a dali problème. Donc on a une solution à Congo le les ali Félix Tshisekedi. Mais ce Félix Tshisekedi a conseillé quoi mutaza malade. FCC cache les ali malade à Congo. On a zo benga le lo fachi kungunya. Au moins vous avez qui na maladie mauvaise qui chikungunya. Et bande ko paralyser ba articulation, ko paralyser ba membres. Muto a zaiko bela chikungunya a zaiki na difficulté à kotambola. Na difficulté à komona parce que ba articulation surtout et zaiki paralysé à partir à chikungunya. Le loto a la maladie mususu ba benya on fa chikungunya. C'est cette maladie là et zaiko toucher maintenant ba institution. Toutes les institutions aujourd'hui sont malades. Au lieu que vous attaquez fa chikungunya, le ko zaiki na ba na ekokana ndenge moko na malaria, vous zaiko traiter malaria alors que maladie on les a maladie mususu. Ce qui trouve ça les locaux, c'est de faire partie de M. Félix Tshisekedi et M. Kabila. C'est ça la solution. Et là, le discours n'est pas blabla, ça va le barnater. Dans ce qui est dans la loi de la Moukébi, appel à M. Tshisekedi, il y a un appel à mon avantage moral des peuples congolais. Mais de voilà, il y a un appel à mon combattez l'avantage, l'avantage n'est pas ça. Il y a un peu de FCC 4 ans, on a vu ça. Quelle est l'alliance contre la nature? Il y a un peu de Kabunda lobi. Oh, on a attaqué FCC 4 ans. Azali Ndoki. Est-ce que vous avez dit le nom de l'élo? Na IDPS, sel Moutabimi Moutama Longé Zara Moukoko. Notre jeune frère Moukoko Moutabimi, sérieux. Ah, il s'est dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous bataille de presse, bataille pour y avoir alliance avec Kabila. Bataille, on va vous mettre. Si vous avez un bon mot, c'est ressaisi. Tant que vous avez un bon mot, vous avez un bon mot, vous avez un bon mot, alliance avec Kabila. Mais vous avez un bon mot, vous avez un bon mot. Et pourquoi vous soutenez un bon mot? Et puis, vous avez un bon mot, vous avez un bon mot, vous avez un bon mot. La moindre chose, casser nos relations, vous avez un bon mot.
Comment vous avez vu que vous avez apposé à Kabila, ou en apposé à Yotambo, à Makamu pour intérêt à la République, mais au même moment, vous avez continué à bénéficier d'un avantage à Kabila. Et donc, malheureusement, moi, je suis habitué à la Libara. Mais Azubi logo na a tiki na chambre et comme il kaona na kena go sukula après le na ntongo ake azongi na ndawo na bango le bisu sa yele sa na eka ozwa bilamba azwe la mamoga lati atiki ola na posa go ya go bomalibala te mwaso ali ngiko bomalibala sala ani abimi sala bilo na kenda na ngwe pa na bango ngonga ya siko yo za musika bilo one za musika yona mobali siko bo kena demarche ya go kena divorce bolala kambeto moko ozoko sa batuke ngbo kabona bongo soki mwana musa abota mbolo bani. Quand ils vont commencer à faire des nominations, ils vont les faire dans quel cadre? Au moment où nous parlons, il y a un budget qui est débattu. Parce que tu as déjà à niveau de l'Assemblée nationale. C'est quoi le projet à budget ou à la loi de finances? Ça comporte quel nom? Gouvernement FCC cash. Ce qui veut dire qu'il n'est pas sincère. Monsieur Félix, c'est une âme perdue. Bocha est sous l'espoir, on a été. Nenge le nenga zali boe, azali malade. Et puis l'autre zali surprenant. Yoza malade. Ozo benga na ba médecin, na ba malade, moussou sur l'hôpital, yo consulté bon. Au lieu que yo tika ba médecin va consulter, pour voir le résoudre le problème, na yo la maladie, oza na ango, yo lingue au consulté. Et ceux qui sont consultés après, tu fais quoi? Osa prescription. Yo mutoza malade au sala prescription bino voilà na che bino boza chez Matel pour bi ki sa malade yo mutoza malade yo mutoza prescription oh de konanga e bolonga makasi na bino mais se fait c'est que c'est un danger pour la République et l'on sengeli le lo ko appliquer article 64 koza monsieur Félix c'est que monsieur Kabila FCC cache bango tout libanda à partir ya wanande ce que convoquer un congrès fondateur avec des congolais conscients. On va commencer à réfléchir sur l'avènement à la 4e République avec une nouvelle constitution où on va mettre en place des garde-fous pour que tout connaître des dérives dictatoriales mettent dans la rôle de l'État. Voilà. Sur le talibien, pour que la crise que ça, pour que FTC cache Bandé à Massolo, pour que la crise pour le monde. Alors, c'est comment on a pu une position qui va à la dernière députée ou à la démission. Comment est-ce qu'il s'agit? Nde konangai ya liboso ezali d'abord ko féliciter ba onyonso ba intervenir na question. Eloko ya mibale oyo tongi toyebisa na bato. Détrompez-vous. On n'a rien résolu. Solution moko te pesami. Ce qui solution pesami te c'est justement parce que lelo ne te lo bawe. Certaines personnes se posent de mauvaises questions, vrais problèmes. Batu baza ko centrer analyse na bango essentiellement sur l'installation à Bourgmestre. Alors que le problème est d'aller plus qu'au résider sur la création de la commune. Pour ceux qui vont suspendre l'installation à Bourgmestre, toutes choses restant égales par ailleurs, la commune reste. Or, solution à Malonga est d'aller à Kouboma commune. Hein. Et l'autre est d'aller à Koubanga, est d'aller passer à Zaini. Mais c'est Moïse Enani, Moïndo Nzangi, a sali des marches en tant que parlementaire. À la question en face du monde, que M. Roubaix Wayazali congolais par naturalisation, ce qui s'est maintenant qui démarche. À la question que le Banyam Rwanda, Bazali, va réfugier. À la question que la commune, est qui créée en violation, il y a la loi de la République. À la question que M. Roubaix Wayazali responsable dans l'Oyon Sotouyaki. Et qu'est-ce que nous attendions des institutions, bien qu'il y ait un contenu dans le monde? Et bon, qui va trouver solution au problème et de manière structurelle. Mais il y aura conclusion, on a eu déjà. Non, voilà, il faut toujours là, le ministre a démissionné. Non, mais Kobimi Samoutou pas démissionné, Kobimi Samoutou avec honneur. Et vous dites qu'il y a un anal qui était en porte-à-faux avec les autres institutions. Vous risquez de Kobimi Samoutou le croire à l'Igan. Il doit plutôt être limogé. Et c'est là qu'il n'est pas l'ongolaïe. Et Moutoua, vous voyez l'ongolaïe, il a dit M. Félix, c'est qu'il n'y a pas. Est-ce que vous avez senti une volonté à l'ongolaïe? Et puis, deuxièmement, il faut qu'il y ait un acte. Où est-ce qu'on a annulé la création à la commune? Jusque-là, vous avez senti qu'il y a la volonté à créer acte. M. Félix, c'est qu'il n'y a pas. Il doit mettre en place une commission pour battre la délimitation. C'est-à-dire que lui, il continue dans son fort intérieur de croire qu'il y a nécessité de créer cette commune. Et puis, dans le cas de la composition, il y a Moïse Nyarugab.
Alors, il vous dit que non, voilà, c'est la seule commune où ils allaient créer, où ils tenir compte de la représentativité à la communauté. Bango, ils allaient majoritaire, ils allaient mettre poste à titulaire, ils allaient tirer les adjoints. Vous imaginez? C'est-à-dire que nous avons considéré que c'était de manière équitable, nous avons considéré que c'était normal. Ce qui veut dire que la vision de Bango, M. Félix, c'est qu'ils allaient corroborer. Et dans ces conditions-là, comprenez que M. Félix n'est pas encore prêt à mettre fin à la crise. Et au moment où nous parlons, il y a guerre. Il y a des gens qui meurent. Pourquoi? Parce que Banyawanda va voulu que Bango va gagner, Bango va avoir le pouvoir, M. Fachi, ceux qui sont M. Fachi, ne vont pas gagner, à la ligne de Simana Bango. Ce qui sous-entend aujourd'hui, l'institution à Yambo se met en porte-à-faux avec la démarche et la constitution. Se met en porte-à-faux avec la vision de la population. Alors qu'on préférait qu'on soutenir Bato Bazaï Bangouna la République. Et vous savez pourquoi? C'est justement parce que Kagame a dali parrain à au niveau africain. Comment Kagame n'est-ce pas ça, M. Félix Tshisekedi? Si on a dit qu'il m'a dit, il a suspendu d'abord. Mais c'est Roubaix, en attendant, comme un Maramoussous. Mais il n'a pas fait. Est-ce que la commission d'enquête? Aucune solution. Or, seul le décret du Premier ministre est débattu en Conseil des ministres qui peut mettre fin à la crise. Mais il n'y a pas d'intention en athée. Pour vous dire, M. Kabila, M. Félix, il y a un appareil mort sur le plan africain. C'est Kagame. Il y a tout le monde qui a un appareil. Il y a un appareil. Mais Kagame a un appareil qui a un argile au main du potier. Alors, vous façonnez, il y a un Kagame. Ce qui veut dire que l'on est tout à l'heure en difficulté. Et puis, l'on est insisté. Boyoki, Nyarugabo vient de faire une grave déclaration. A outil qu'on menaçait un député à nous pour avoir fait son travail, pour avoir défendu les dispositions de l'article 63. Aucune déclaration, personne n'a réagi. A menacé tout de mort, mais tout mort à l'eau, silence radio. Ce qui veut dire que nous avons tous les repos là. FCCK, c'est un cancérogène. Il y a un bon toutes les cellules, il y a l'été comme nous, Koufa. Bamba, tu sais, tribalisme, ma bé. Bamba, tu sais, pris sur le marché, ma bé. Bamba, tu sais, couloune, insécurité, ma bé. Bamba, tu sais, pris à ma facture, ma bé. Bamba, tu sais, cousin, maïna, courant, ma bé. Nyon, ce zaka, ya koumata. Tous les indicateurs sont au rouge. Et voilà, pour résoudre le problème, M. Félix, c'est qu'il veut inviter. Bah, tu vois, Mokia, Basile Olongo, et bah, tout le monde, leader de la seconde zone. Tu veux te planifier dans le bouquet du bien président Félix Tshisekedi, qui s'est dit, il y a ça, les gars, en gros, Félix Tshisekedi, mais c'est maintenant qu'on va faire ça, là, qu'il y a une sortie de crise, pour une concertation, qui se trouve à Vous savez pourquoi Claude Nelson Martin Fayulu a salam? C'est parce qu'il veut se comporter en homme d'État. Ceci n'est pas les alliés que non, voilà, on ne peut pas coacher un pays dans le chaos. Eh bien, qu'il y ait un peu de bunga qui est là, mais le coup là, il s'est salami, initié la réforme, tout en gardant M. Félix Tshisekedi Nakiti. Moi, je n'ai jamais soutenu ça. Moi, je soutiens la révolution. Moi, tout ça. Mais moi, il y a un pays. Quand il y a des gens, oh, bah, la philosophie, on a, moi, je ne soutiens pas. Mais là, vous allez voir, il faut que tu aies un mutu à Batunyoso. Sortir plein à sortie de crise n'a rien à voir avec Félix Tshisekedi Sali. Plein à sortie de crise dans l'entendement d'Angaï, ils allaient confondre sur de valeurs cardinales, les valeurs républicaines. À l'objet, il faut qu'on s'en la réforme pour que tu organises l'élection anticipée afin que Moutounion soit à zone la loi. Mais oh, M. Félix Tshisekedi, allait qu'on s'en la union sacrée autour de la personne de M. Félix Tshisekedi. C'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi doit être un despote. Et pour qu'à fond, ça vous connaisse bien, à ce hasard, que c'est un abattoir soumaillé à violer la banque, à violer la banque constitution. Ce qui veut dire, c'est le remonté. Vous ne pouvez pas supporter le plan de sortie de crise. Oh là, mais c'est fait, c'est du n'importe quoi. Il a violé la constitution. On nomme pas juge la marque. On a posé ça au dompté, la justice. On a posé ça que c'est un service.
pour que comme ça va mukoko bah on use tout à parlementaire debout au comme ça va on va député pour que prochainement tant qu'on aura ça activité là on va tourner sa salle bah il va imne à partir et après au moins c'est ça l'état des droits. Mon cher, je vous dis, un bon gestionnaire, même s'il n'a pas la majorité parlementaire, il va gérer. Un bon gestionnaire, un bon manager, si vous allez dans Katia Institution de la République, vous êtes bon manager, tu vas gérer. Vous savez pourquoi? Parce que la Constitution et la loi de la République, il a les cadres déjà des limitations à pouvoir à tout un chacun. Le gouvernement n'a pas le droit, il y a que ça, la Makambo, en dehors du programme de gouvernance. Le gouvernement n'a pas le droit à ça à Makambo en violation à la loi des finances. Ce qui veut dire que le plus grand travail à faire dans une gouvernance, c'est au niveau, il y a une initiative prise dans le Conseil des ministres. Qui préside le Conseil des ministres? Le président de la République. C'est-à-dire que ce que déjà dans le Conseil des ministres, obtenir gain de cause par rapport à l'approche NAIO et au regard à la disposition constitutionnelle, ce qui reste maintenant à faire, c'est quoi? Il faut maintenant réguler. Veillez à l'exécution fidèle, il y a une action prévue dans le programme. Mais il suffit seulement d'aller lire le programme où M. Félix Tshisekedi a adopté l'association des malfaiteurs au Benga FSCH. Pour vous rendre compte qu'il ne savait même pas ce qu'il voulait. Est-ce que vous voyez que M. Félix Tshisekedi a l'association des malfaiteurs au FSCH a présenté deux programmes? Il y a eu un programme présenté au niveau de l'Assemblée nationale. Un programme philosophique, sans chiffres, sans chronogramme. Oh, que Bazu va articuler l'action Mabé. Il suffit seulement que vous avez articulation à l'action pour vous rendre compte que c'était du n'importe quoi, c'était du pipeau. Et au même moment, quelques jours après, M. Félix Tshisekedi a été à l'étranger. Il a présenté un autre programme de gouvernance, programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Deuxième étape. Pour maintenant exécuter ce programme qui est pluriannuel, il fallait maintenant, ça là, c'est ce qu'on appelle le plan séquentiel. Il y a un est-ce que le Marabiso pour nous élaborer le budget. Vous m'avez dit budget 2019, est-ce qu'il y a une loi rectificative? Non. Taux d'exécution, moins de 80%. Et pourtant, il y a 4 milliards 600 millions. Budget 2020, 10 milliards 900 millions. Ils ont exécuté à quel pourcentage? Jusque-là, premier semestre. Ils n'ont même pas atteint 50%, il y a première phase. Ils n'ont même pas atteint 50%. Le plan de trésorerie est démontré, vu non insuffisance, qu'ils étaient dans l'incapacité de mobiliser. Et vous savez pourquoi ils n'arrivent pas à mobiliser? C'est justement parce qu'on a volonté à mobiliser, on va manger des semences. Au mois de janvier, déficit budgétaire. Mois de février, déficit budgétaire. Il y a un ministre qui a élaboré, qui a présenté, qui a publié un plan de trésorerie. Tu as eu des personnes ne comprenant pas le sens et le plan de trésorerie. Comme il a attaqué, oh non, il veut réduire le budget. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous? À part un spectacle, il y a un procès. Et là, on dit, mais les biches sont en bourreau. Oh non, monsieur le président de la République veut résoudre le problème à embouteillage à ton assaut de moutons. Vous pensez que la solution à assaut de moutons, c'est que ton assaut de moutons. Hein? Et puis il y a une surfacturation. Est-ce que vous pensez que la construction à Bango est respecté? Non. Oui, comme il y a une et si il y a une terre, comme il y a une boucle après la fissure. Moutons dans le camion, dans le matite, il y a une fissure. Il faut que avant batcha peinture là va salaki. Ba bukina ba trace les alaki, ba bambi. Pour nous protéger le logo va salaki. Et puis les gens tout bâti siko. Ce que tali ba plan on va présenter qui n'a ce qu'on nous présente, rien à voir. Tout ce que vous voyez là il a inachevé. Et dans leur programme batcha qui 22 500 000. Ba combien il y en a 37 22 500 000, combien il y a 37 millions. Pour la rotonga, basso de mouton au basso lingaba tonga. Et ce qui est aberrant, sur les 9 on va checker notre tableau synthèse. 3 n'ont pas été bannis dans l'automate. Bato basso kara na wana. Le programme est là qu'il y a 488 millions dans le tableau synthèse. Mais il y avait plus de 180 millions autres on va checker notre tableau synthèse. Centrale électrique à base de gaz. Et vous n'avez pas tongango na niveau ya Mwanda. Boyoka ça mon ango. 180 millions de dollars pour la construction de la centrale. Sans oublier le transport, on a un gros qui poitrine dans les 18 millions de dollars. Bon, ça, on a 46 millions de dollars dans le domaine de la santé.
pour réhabiliter les centres de santé, les hôpitaux, ou à l'État. Et puis 10 millions à 4 à 46 millions, là, qui pour nous sommes bakis. Basomba bakis à 5 millions 400 000 dollars, bakis périmé. On en parle. Maman est modérée dans le programme. Hôpital Asana, hôpital Anjili. Basaliango. Ils avaient prévu 57 millions de dollars pour nous retourner à Bandao. Pourquoi seulement choisir Kassai, Mbujimai, na Kanang? Dans d'autres provinces, il n'y avait pas besoin de construction à Bandao. Et vous, vous pensez pour construire une maison dans Mbujimai, na Kananga, il faut qu'il y ait sa Djamal. Des maisons préfabriquées. À Longo, on a 1500 logements, à commune à 4500. Sans programme. Et il a décaissé plus de 2 800 000 à Pessi comme à compte. Na Djamal. Le haut de Tolo, Moutaïbi, chiffre réel, mais son propre conseiller principal en charge d'économie et finances, a eu plus de 66 millions de dollars. On a arrêté Karenan, comment il s'appelle, le directeur à cabinet. Il est où? Oh, tu as arrêté Andegonanga, il est chez lui. Il est chez lui. Ce qui veut dire qu'il va te faire un homme au pépé. Il va passer 19 millions de poussières pour la SNEL. Ce qu'on a la difficulté. 19 millions de dollars pour la régie des eaux. Bah, ça qui 240 millions de dollars pour la réhabilitation de la construction de la route. 154 millions de dollars pour la route de la route. Aujourd'hui, il va venir du commerce et vous avez combien? 6 200 000 dollars. 1,46 km. Sayo, Babama Maboulou, 1 317 000 dollars. Bah, venir Pelende, 1 970 000 dollars. Une route à deux bandes, 1 970 000 dollars. Kabila Koutou va nous critiquer. Atmane Koutou va dire 1 million, Félix va nous critiquer. Mais il y a ton de là, 1 970 000 dollars. Il y a eu autant de surfacturation. 65 600 000 dollars pour nous Koutou va moderniser pour la Kalemi, à Talibangate. Nous avons mis ça 600 000 dollars pour nous étudier la faisabilité. Nous avons dit que M. Félix, c'est que quand à côté il a pouvoir, il voulait se faire une santé financière. Et aujourd'hui, nous avons dit que non, c'était du gâchis. Gâchis pour nous, mais toi tu t'es retrouvé. Sa famille a commis la santé financière. Aux yeux Kamere, aux yeux les autres, même Djamal, Adam t'a parti dans le monde. Après qu'il ne marchait pas, tu n'as pas financé, après ça va ma pangou, après ça va. Ce qui veut dire que l'on est au loup. Oh, M. Félix, c'est qu'il a bien un discours. A ABC, il y a des gens qui sont. Moi je me retrouve, il y a des gens souffrir. C'est ce qu'il a dit. Et on n'a pas besoin d'un plan de sortie de crise. Premier plan de sortie de crise, c'est la révolution. Il faut faire partie, M. Félix, M. Kabila, FCC, Kabila. On tout au on banda. À partir de Wana Sikoyo, tu créer le leadership à Sika pour convoquer un congrès fondateur. Et dans le congrès fondateur, Wana, il faut changer la constitution parce que la Troisième République a lamentablement échoué. Ceci n'a pas besoin d'Alini. Il faut que Batouba y ait tout à l'heure, il y a un enjeu mondial et belé. Au niveau africain, il y a des défis à relever. Notre pays est la ligue convoitée. Nous devons avoir une armée forte. Il faut que nos enfants soient bien formés pour répondre à nos besoins futurs. Il faut tout faire en sorte que tout sécurise la frontière Naviso. 9400 km linéaires de frontières. On a 12 et 9 pays voisins. 126 points d'entrée que nous n'arrivons pas à maîtriser. Il faut que les Congolais soient capables d'atteindre 2300 calories. Il y a beaucoup à relire. Donc, on a même tout ça, on a un temps où on a un peu de temps où on a un paquet de biscuits. Tellement que si on a un Kinshasa, on va être dans les provinces, il y a des difficultés. Si on a un peu de temps, Félix, il y a un peu de lobby, on a confiance. Il y a un peu de temps que je ne gère rien. C'est sur le sang, le pour le lot, pour y trouver une solution, il faut qu'il se donne une majorité parlementaire. D'après, il y a la possibilité, il y a qu'on dissout le parlement. Ce qui est très difficile parce que nous avons suffisamment de force. Nous avons un débauchage. Un homme sérieux ne peut pas faire confiance à M. Félix Tshisekedi. Nous avons promis que nous avons coupé son bote et l'homme. Nous avons sûreté parce que nous avons changé. Alors, nous voilà, base de l'épicé, nous avons son bote. Il peut changer à tout le monde. Nous avons un abonné à l'espoir. Ce qui veut dire que le roi Kabila a une volonté au bon samboureté. Le roi Félix est capable de faire partie de Kabila. Tout ça, vous. Bango tout de tchèvre n'a plus qu'à aller libanda. Le roi Maya Saïté n'a pas encore à Baba. Tchèvre! Nous avons un peu de résoudre le problème de manière structurelle. Le roi Koulou de Nabiso Martin Fayoulou, à la ligne Lélo, un produit tout bas au Linga.
oba tunyo so bana posa ba soutenir akanga mutema to longwana o Félix Tshisekedi na Kabila tango ko organiser ba élection après ko longwana pays na occupation tango ya ko postuler muta ko leka na na ba élection azate parce que aujourd'hui il est l'homme le plus populaire mais to boy ki ale kaka na ba élection ba ko takaye ba longola ka volonté a peuple ba pesa kana ba tumusus. Il faut résoudre le problème dans la base. Parce que ce qui M. Félix Tshisekedi a maîtrisé le cours constitutionnel. M. Félix Tshisekedi a maîtrisé le CENI. A tous les populaires, le roi Yesu, au collégaté. Alors, à quoi ça sert à aucun de vous apprécier au sein de l'élection? Voilà pourquoi nous nous disons, nous avons besoin plus d'une révolution. Ceux qui ont atteint la révolution, tout le monde va occuper, va diminuer, surtout le monde à Rwanda, va Kagame, va Roubaix, va Roubaix, consort. Tout le monde va maintenant va nous maîtriser le pays. Après, deuxièmement, tout le monde va congolais conscient, tout fani, tout sololi, tout salut un bon projet de société, un nouveau pacte social, tout si ici, tout organisé par élection. Mais c'est failli nous. Il y a un représenté candidature, à présenter candidature. Comme il est le plus populaire, il va avoir plus de voix. Résultat, il y a une urne, il y a un monde de bima, à partir de temps, au côté de mon cousin, a fini la légitimité rationnelle telle que voulue par les constituants. Ce que vous avez dit, c'est que nous sommes Félix Tshisekedi. Ah! Merci beaucoup, moi, pour parler de vous. Merci, Ndeko Nangai. En tout cas, je crois que nous avons été clairs. Nous avons dit que nous contacter le numéro de simple 00243-81-250-2851. Bon, il y a tout ça, nous avons Baou, nous surtout, bras séculier, il y a Kagame, pour que le pays fasse la crime. Merci beaucoup. Merci.